spectateurs, la poétesse Natié Brouillet vous déclame. Aujourd'hui, ça sera du show et nous recevrons avec nous des invités qui ont du talent. Beaucoup de gens, que de surprises. Alors, pour commencer, nous allons recevoir Lydia Laurence. C'est une artiste qui a plein de talent. Alors, vous ne serez pas déçus. Alors, je vous demande de venir, s'il vous plaît, Lydia. La famille voyait chez nous. Tu m'as troublé, oh mon. Tu m'as troublé, mon amour. Je suis à toi. Je suis une femme créole. Tu as embelli ma vie. Tout pis, dis-moi qu'à coûter. Et je dis-moi qu'à chanter bas. Aïe, aïe, aïe. La vie est une scène de théâtre. Là où chacun joue bien son rôle. Et disparaît. Chérie, je suis malade de toi. Appelez vite l'ambulance qui va m'emmener vite auprès de toi pour soigner. Moi malade à haut, doudou. Moi pépilant, moi boubou, doudou. Moi qu'à crier, au câliner moi. Moi qu'à crier, au pour toucher moi. Moi qu'à crier, au cajoler moi. Moi qu'à crier ou embrasser moi. Chérie, je suis malade de toi. Appelez vite l'ambulance qui va m'emmener vite auprès de toi pour soigner. Du show. Merci. Avec Lydia, mais quelle est votre influence dans le monde de la musique alors? Influence, tous ces grandes stars, tous ces gens qui nous font rêver et qui continuent d'ailleurs à nous faire rêver. Et puis voilà, puis on a été bercés par le grand chanteur Orlus Mabélé. Oui. Et j'ai grandi avec ça. Et ma mère qui est très très fan de Orlus. Et aussi avoir un producteur comme Jimmy Wetinou, qui est africain, de Cotonou. Mais vous pouvez vous asseoir si cela ne vous dérange pas, oui. Et puis qui est aussi le producteur de Orlus Mabélé.
Alors, en écoutant parler mon producteur de ce grand maître d'Orlus, eh bien, j'ai voulu rendre hommage à Orlus. Comme on dit, il faut offrir les fleurs pendant que la personne est là. Ah, d'accord. Là, je vois que vous étiez même reçu, vous avez fait des interviews au journal Black Beauty. Oui. Et vous avez dit que chaque album nécessite un nouveau style musical, un nouveau style vestimentaire et capillaire. Ce n'est pas la chanteuse Lydia Laurence qui vous dira le contraire. Mais dis donc, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire par là au public? Ben, je pense que quand on est dans le milieu artistique, c'est vrai, regardez quand vous êtes magnifique avec les cheveux, il y a deux couleurs, je trouve ça extraordinaire, voilà. Mmh. Et puis ça marque quelque chose, ça marque le côté artistique. Et puis quand on est artiste, même si on n'est pas artiste, nous sommes tous artistes dans l'âme, part. Et puis, on a besoin de ça, nous, les femmes, oui, on a besoin. Oui, il y a des gens qui créent, comme tout à l'heure, on recevra Carole, elle crée des bijoux, oulala, elle est vraiment magnifique. Bon, d'accord. Donc, Lydia n'est pas venue seule, elle est venue avec Camille. Camille, s'il vous plaît, oui. Vous pouvez venir. Camille, c'est vraiment un chanteur que j'aime énormément. Oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vas-y. Alors, vous pouvez vous présenter auprès de ceux qui ne vous connaissent pas encore. Ben, je me présente. Alors mon nom c'est Roi Camille. Hein, ah, excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Oh, non, oui. Voilà, c'est mon prénom c'est Roger. Mon nom c'est Roi Camille. Ah, voilà. D'accord. Mais Camille. Effectivement, il y a aussi le prénom Camille, bien sûr, qui existe. Oui, hein. Alors, avant tout, je tenais vraiment à remercier Lydia. C'est un coup de cœur pour Roi Camille, en fait. C'est un artiste que j'apprécie énormément, sa simplicité, sa générosité. Et j'ai décidé, comme vous m'avez invité à cette émission, oui. J'ai dit je ne viendrai pas seule, je viendrai avec un artiste oui. que j'ai un coup de cœur et j'ai voulu qu'il soit présent. Merci en tout cas, merci aussi à la télé de me recevoir, c'est très très sympa. Et puis je vois qu'il y a du monde, c'est achalandé ici, c'est sympathique, hein, c'est très sympa. Lydia, merci vraiment, je te remercie. Mais de rien Camille, bon, je vais vous présenter un peu la biographie de Camille, de Roger, Roi Camille, hein, le roi. Alors, mais le roi avec Y, hein, pas avec le I. Alors, il est né en Martinique, Roger Roi Camille affirme très tôt son alliance pour le chant et les sonorités innovantes. Vatrice, 1989, il faut dire, lui permet de présenter son premier album vinyle intitulé Paradis Créole. C'est ce qu'on va écouter tout à l'heure. Non, alors Paradis Créole, c'est très très lointain, c'est 1989. Ce qu'on va écouter, c'est un extrait de, c'est un single extrait de mon prochain album qui sortira, du moins j'espère, en fin d'année. Oui. Donc, je me suis fait plaisir, en tout cas pour l'été, puisque on s'est d'ailleurs très souvent parlé avec Lydia. Malheureusement, on ne s'est pas rencontré sur scène, puisque elle aussi elle est très chargée. Oui. Et puis, en attendant la sortie de mon album, j'ai voulu savoir plus ou moins où j'en étais. Sur mes actualités artistiques, est-ce que je représentais encore correctement, est-ce que je savais faire mon travail. Il s'est avéré que ça s'est très très bien passé, donc ça me donne envie de continuer. Et voilà quoi, je suis très très content. Mais il a beaucoup de parcours, hein, il y a 90, il participe au concours du Tremplay les artistes animés par Jean X, le bon. Termine deuxième album sur 10 artistes. En 92, est déterminante. Dis donc, il a beaucoup de choses. En 94, Roger Roi Camille sort son second album intitulé Couleur. Dirigé, arrangé par Angbi. Dis donc, en tout cas, c'est vraiment un artiste qui a beaucoup du talent. Alors, sans plus tarder, vous savez que la poétesse Natia Brié, votre émission culturelle, musicale, littéraire, tous azimuts, que du chaud. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter le roi Camille. Jamais dire toujours, profiter de chaque instant du présent. Le temps passé laisse sa trace, très souvent ça nous dépasse. On subit le présidentiel sans recours. Il faut se battre.
partis pas en perdant tous nos repères. C'est le désert, ne trouvant plus notre place, on ne peut plus y faire face. Notre équilibre est si sensible, si fragile. Parcours, en tout cas, vous avez fait un grand parcours, hein, un très très grand, que en parlant, je peux même rester ici pendant une semaine. C'est vrai. Bah, écoute, qu'est-ce que vous en pensez, Lydia? Alors, de... sans t'interrompre, excuse-moi. Oui. Alors, tu dis que je suis un gros parcours, alors qu'est-ce que je pourrais dire de celui de Lydia? Parce que j'ai pris le temps de regarder ce qu'elle a fait, je suis encore très très loin du compte, et c'est là notre fierté, en tout cas. Et c'est là notre fierté, parce que c'est quelqu'un, je parlais avec elle tout à l'heure, c'est vraiment, elle a un parcours qui est énorme. Là, je très grand parcours. C'est immense, je lui disais tout à l'heure, c'est dingue ce qu'elle a déjà fait. Connue. Ah oui, complètement. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de choses. Et là même, vous avez eu un spectacle, c'était quand, c'est demain que vous aurez le spectacle. Au Palais des Congrès Congrès. Les enfants de la Guinée, voilà. Pour l'OMG. Oui. Et on va célébrer aussi l'indépendance de la Guinée. Oui. Voilà, c'est vrai, comme il dit, j'ai fait énormément de choses, j'ai fait un dîner presque parfait, j'ai travaillé avec Patrick Sébastien, j'ai fait énormément de choses, mais quand je fais des choses, je le fais avec bon cœur. Et quand j'aime quelqu'un, je l'aime énormément. Mais c'est vrai. Je fais pas semblant. Ça, c'est vraiment bien. C'est dans l'âme. Hein, c'est une grande fierté pour moi d'être à ses côtés. Parce que moi aussi, c'est pareil. Mais les artistes doivent être soudés, hein, c'est, ah ça, hein. C'est ça. Ah c'est oui, ça. Malheureusement, c'est pas toujours c'est pas le cas. Oui. Mais ça, c'est pas grave, ça nous regarde pas. Nous, le plus important, c'est de donner de l'amour et de le recevoir. D'accord. Parce qu'on ne peut pas que recevoir et jamais savoir en donner. Mmh. Voilà, ça, c'est le plus important. Je partage absolument. C'est notre lot, c'est notre quotidien, encore une fois. Donc, on se bat pour nos causes propres et personnelles, pour ce qui se passe autour aussi. Et on aime tellement ça aussi. Et on aime ça avec nos plus et nos moins, en tout cas, quoi qu'il en soit. D'accord. Mais on le fait avec beaucoup de cœur, enfin, en ce qui me concerne, Lydia aussi, puisque ça fait maintenant des années que nous arpentons un peu le terrain. Oui. Nous connaissons un petit peu ces choses-là, donc on met un peu ça derrière, un peu de côté, on fait notre boulot. Et justement, si demain vous êtes disponible, venez. Palais des Congrès de Montreuil. Et ah ben oui, en plus, ça serait un moment de bonheur et de partage. Oui, oui, je avec haitimediatele.com. Si on nous invite, on sera là. Hein. Oui, ce serait un moment magique parce que
La Guinée a besoin de nous, comme tous les pays, qui ont besoin. Voilà. Et surtout quand il s'agit des enfants, on dit que les enfants sont la lumière de la famille. Et je suis la marraine des enfants de là-bas. Oui. Et je me bats. J'ai déjà récolté pas mal de choses, des lunettes chez les opticiens. Oui, pas mal de choses parce que je pars bientôt le 30 décembre pour les enfants, en Guinée pour m'occuper des enfants là-bas. Mes enfants qui sont là. D'accord. Et c'est, est-ce que c'est des enfants de la rue ou c'est des enfants... Souvent, c'est des enfants de la rue. Moi, je ne regarde pas que ce soit enfant rue ou enfant par rue. Ouais, c'est des enfants. Un enfant n'a pas demandé d'être sur Terre. Oui, c'est vrai. Il est là, il faut assumer, il faut s'en occuper. Voilà. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons encore écouter Lydia dans son morceau. Quand tu vois mon destin, crie pam pam. Aïe aïe aïe. Saint-Martin l'honneur. Mr. Lino. Je t'aimerai toujours. Moi crié pam pam. Donne-moi un petit peu. Moi crié pam pam. Je serai très heureuse. Moi crié pam pam. Les Caraïbes, l'île du soleil. Anouaï, Anouaï, Anouaï. Moi crié, moi crié, moi crié, moi crié, moi crié pam pam. Moi crié pam pam. Moi crié pam pam. Moi crié, moi crié, moi crié, moi crié, moi crié. Téléspectateurs, la poétesse Nathalie Brouillé vous déclame. Donc, vous n'allez pas partir, on va vous garder. Et en attendant, on va recevoir Carole. Alors, Carole, elle fait de la création, comme vous voyez. Elle fait des bijoux. C'est elle qui fabrique ça. Magnifique. Donc, elle fait tout ce qu'elle a porté. Elle fait des bagues, elle fait des trucs de mariage. En tout cas, c'est vraiment une grande créatrice. Qui bijoux. Amène à des bijoux de diverses choses. Hein. Vous aurez même l'occasion de voir. Donc, alors Carole, si vous pouvez venir.
Donc, Camille Leroy va vous laisser.